Bonjour, je suis Christine Morlet, conférencière professionnelle certifiée, spécialiste de l'influence positive. Ceci est la troisième et la dernière vidéo d'une série de trois sur le métier de conférencier et le monde de la conférence. Dans la première vidéo, j'ai parlé de l'émergence du marché de la conférence en France. Dans la seconde, j'ai parlé des différentes facettes du métier de conférencier. Dans cette troisième et dernière vidéo, nous allons parler des bénéfices à devenir un conférencier professionnel reconnu. Quel métier passionnant que celui de conférencier professionnel! Le premier bénéfice est sans aucun doute de voyager, de séjourner dans des lieux extraordinaires, généralement de très beaux hôtels, de rencontrer du monde et d'élargir son réseau. Si vous avez l'avantage en plus de maîtriser d'autres langues, comme l'anglais par exemple, vous pourrez même rencontrer et inspirer d'autres cultures. Le second bénéfice est la satisfaction profonde d'aider les gens, d'inspirer autrui en partageant son message avec un grand nombre de personnes. Le troisième bénéfice est celui de recevoir de l'attention, mais surtout d'augmenter très nettement sa visibilité, c'est-à-dire de mettre un grand coup de projecteur sur ses activités. Le résultat de ces bénéfices est l'augmentation très concrète de vos revenus. Par exemple, nous avons récemment accompagné une nutritionniste qui a multiplié par 3 le nombre de patients dans son cabinet. Pareil pour un sophrologue. Et puis un certain nombre de coachs et de consultants, bien entendu. Si vous répondez oui à une ou à plusieurs de ces questions, vous êtes sans doute le candidat au métier de conférencier professionnel. Premièrement, est-ce que vous aimez aider les gens? Deuxièmement, est-ce que vous possédez une expertise et des connaissances pratiques dans un domaine en particulier? Troisièmement, est-ce qu'on vous demande occasionnellement ou même régulièrement de l'aide quant à votre savoir-faire? Quatrièmement, est-ce que vous avez des talents d'orateur? Cinquièmement, est-ce que vous ressentez le besoin de vous exprimer en public et de partager vos idées avec le plus grand nombre? Sixièmement, vous y pensez sérieusement, mais vous n'osez pas faire le grand saut. Vous êtes déjà un conférencier certainement actif qui aimerait avoir davantage de reconnaissance et de visibilité peut-être. Ou alors, vous êtes retraité et vous désirez rester actif tout en partageant vos connaissances apprises tout au long de votre carrière. Vous désirez certainement jouir d'une vie plus libre et plus inspirante pour faire ce qui vous plaît quand ça vous plaît. Ou alors vous êtes coach, consultant, formateur, thérapeute, expert, chercheur et vous souhaitez développer un complément de revenus. Ou alors vous avez toujours voulu devenir conférencier. Alors qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer? Nous proposons des accompagnements personnalisés aux personnes qui souhaitent devenir orateurs professionnels. Pensez à cliquer sur le bouton J'aime ci-dessous et faites-nous part de vos questions et vos commentaires éventuels. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour vous abonner à notre newsletter et recevoir toutes nos actualités. Alors, on vous retrouve bientôt, peut-être dans un atelier pour devenir conférencier professionnel.